voilà, c'est la rouge. C'est. Bien, bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue pour donc cette nouvelle production du Sicilien ou l'amour peintre, de Molière donc. L'histoire, la fable est très facile à résumer. Il s'agit de raconter le stratagème mis en place par Adraste, un gentilhomme français, pour enlever la femme dont il est tombé amoureux, qui s'appelle Isidore, qui est une jeune grecque, et qui vit chez Dom Pedre, qui lui compte bien l'épouser. Adraste est aidé dans son stratagème par Ali, un serviteur, et une jeune femme qui s'appelle Climène. Voilà, j'ai demandé donc à Elissa Aloula de jouer Isidore, à Jovan Gazirovski, je ne me trompe pas, hein, qui joue Adraste, c'est ça, hein, oui. Tu joues Adraste de jouer Adraste et à Pierre-Louis Calixte de jouer Dom Pedre. Julien Frison sera Ali, Pauline Clément sera Climène et je jouerai le sénateur, les musiciens et les danseurs. Afin de mieux appréhender les axes dramaturgiques que je compte mettre en place et qu'on comprenne un peu de ce quoi sera fait la scénographie et les costumes du spectacle, je vous propose d'écouter ce que les spectateurs entendront avant que le spectacle ne commence. Le tyran. Alger, juin 1635. La scène se déroule devant la maison de Dom Pedre. Façade austère, presque borgne. La rue est de terre battue, la chaleur est étouffante. Pas d'air. Le pays est aux mains des marchands, des vendeurs d'esclaves, des barbares du sud, des mercenaires et des chefs de clans sans morale. Les femmes sont cloîtrées au fond des maisons. On les marie de force. Malheur à celles qui résistent. Dom Pedre est un de ces tyrans domestiques, possessifs, autoritaires, violents même parfois. Il est déjà un peu âgé. Son pouvoir et son argent lui ont permis d'acheter Isidore, une esclave grecque ravie à sa famille par des tribus arabes. Il la tient. Elle est à lui. Et s'il l'a affranchie, ce n'est que pour mieux la posséder. Elle est prisonnière, elle est malheureuse. Adraste est un jeune courtisan de France, envoyé là par son père pour faire des affaires avec les tribus locales. Au hasard d'une promenade en ville, il croise le regard d'Isidore, tenu de près par son vieux barbon de mari. Malgré le voile qui lui couvre le visage, il devine à ses yeux que la figure ne peut être que charmante, que cette belle ne peut être que malheureuse, et que son cœur ne peut que l'aimer. Avec l'aide d'Ali, un esclave acheté par lui pour lui servir d'interprète et de garde du corps, il va parvenir à soustraire Isidore à la surveillance de son bourreau et à fuir avec elle vers la France. Ali voit là une occasion de se venger des méchants maîtres qui l'ont jadis possédé. Adraste est en mission. Et si Isidore hésite un moment à le suivre, ce n'est que par peur. Dom Pedre serait capable de la tuer plutôt que de la voir à un autre. Dom Pedre, qu'elle méprise et qu'elle hait, est un homme dangereux. Climène est l'amante d'Ali. C'est une ancienne esclave qui a vécu la même chose et qui est parvenue à s'enfuir. Elle aussi se venge des méchants maîtres. À la fin, Dom Pedre, resté seul, pourrait citer Molière. Quoi ? L'astre qui s'obstine à me désespérer ne me donnera pas le temps de respirer ? Coup sur coup, je verrai, par leur intelligence, de mes soins vigilants confondre la prudence ? Et je serai la dupe, en ma maturité, d'une jeune innocente et d'un jeune éventé. Chut ! N'avancez pas davantage et demeurez dans cet endroit jusqu'à ce que je vous rappelle. Il fait noir comme dans un four. Le ciel s'est habillé ce soir en scaramouche et je ne vois pas une étoile qui montre le bout de son nez. Sotte condition que celle d'un esclave. De ne vivre jamais pour soi et d'être toujours tout entier aux passions d'un maître. De n'être réglé que par ses humeurs et de se voir réduit à faire ses propres affaires de tous les soucis qu'il peut prendre. Le mien me fait ici épouser ses inquiétudes. Et parce qu'il est amoureux, il faut que nuit et jour, je n'ai aucun repos. Et voici des flambeaux, et sans doute c'est lui. Laisse-toi, Ali. Et qui pourrait-ce être que moi ?
À 16h de nuit, hors vous et moi, monsieur, je ne crois pas que personne s'avise de courir maintenant les rues. Aussi, ne crois-je pas qu'on puisse voir personne qui sente dans son cœur la peine que je sens. Car enfin, ce n'est rien d'avoir à combattre l'indifférence ou les rigueurs d'une beauté qu'on aime. On a toujours au moins le plaisir de la plainte et la liberté des soupirs. Mais ne pouvoir trouver aucune occasion de parler à ce qu'on adore. Ne pouvoir savoir d'une belle si l'amour qu'inspire ses yeux est pour lui plaire ou lui déplaire, c'est la plus fâcheuse à mon gré de toutes les inquiétudes. C'est où me réduit l'incommode jaloux qui veille avec tant de soucis sur ma charmante grecque. Il ne fait pas un pas sans entraîner à ses côtés. Mais il est en amour plusieurs façons de se parler. Et il me semble à moi que vos yeux et les siens, depuis près de 2 mois, se sont dit bien des choses. Il est vrai qu'elle et moi, souvent, nous nous sommes parlé des yeux. Mais comment reconnaître que chacun de notre côté, nous ayons comme il faut expliqué ce langage? Et que sais-je, après tout, si elle entend bien tout ce que mes regards lui disent? Et si les siens me disent ce que je crois parfois entendre? Il faut chercher quelques moyens de se parler d'autre manière. As-tu là tes musiciens? Oui. Fais-les approcher. Je veux, jusqu'au jour, les faire ici chanter. Et voir si leur musique n'obligera point cette belle à paraître à quelques fenêtres. Les voici. Que chanteront-ils? Ce qu'ils jugeront de meilleur. Il faut qu'ils vous chantent un trio qu'ils me chantèrent l'autre jour. Non, ce n'est pas ce qu'il me faut. Oh, monsieur, c'est du beau Bécart. Que diantre veux-tu dire avec ton beau Bécart? Monsieur, je tiens pour le Bécart. Vous savez que je m'y connais. Le Bécart me charme. Hors du Bécart, point de salut en harmonie. Écoutez un peu ce trio. Non, je veux quelque chose de tendre et passionné. Quelque chose qui m'entretienne dans une douce rêverie. Je vois bien que vous êtes pour le bémol. Mais il y a moyen de nous contenter l'un l'autre. Il faut qu'il vous chante une certaine scène d'une petite comédie que je leur ai vu essayer. Ce sont 2 bergers, amoureux, tout remplis de langueur qui, sur le bémol, viennent séparément faire leur plainte dans un bois, puis se découvrent l'un à l'autre la cruauté de leur maîtresse. Et là-dessus, vient un berger joyeux, pop, 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 avec un Bécart admirable qui se moque de leur faiblesse. J'y consens, voyons ce que c'est. Voici tout juste un lieu propre à servir de scène. Et voilà 2 flambeaux pour éclairer la comédie. Ah, place-toi contre ce logis, afin qu'au moindre bruit que l'on fera dedans, je fasse cacher les lumières. Les oiseaux réjouis, dès que le jour s'avance, recommencent leur chant dans les vastes forêts. Et moi, j'y recommence mes soupirs languissants et mes tristes regrets. Et moi, j'y recommence mes soupirs. Triste regret. Monsieur, je viens d'ouïr quelques bruits au-dedans. Ah, qu'on se retire, vite, et qu'on éteigne les flambeaux. Il y a quelque temps que j'entends chanter à ma porte, et sans doute, cela ne se fait pas pour rien. Il faut que, dans l'obscurité, je tâche à découvrir quels gens ce peuvent être. Ali! Quoi? N'entends-tu plus rien? Non. Quoi? Tous nos efforts ne pourront obtenir que je parle un moment à cet aimable grec. Et ce jaloux maudit, ce traître de Sicilien me fermera toujours tout accès auprès d'elle. Je voudrais de bon cœur que le diable l'eût emporté. Pour la fatigue qu'il nous donne, le fâcheux, le bourreau qu'il est. Ah, si nous le tenions ici, que je prendrais de joie à venger sur son dos tous les pas inutiles que sa jalousie nous fait faire. Si faut-il bien pourtant trouver quelques moyens, quelques inventions, quelques ruses pour attraper notre brutal. J'y suis trop engagé pour en avoir le démenti. Monsieur, quand j'y devrais employer. Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais la porte est ouverte. Et si vous le voulez, j'entrerai doucement pour découvrir d'où cela vient. Oui, fais. Mais sans faire de bruit. Je ne m'éloigne pas de toi. Plutôt au ciel que ce fut la charmante Isidore. Qui va là? Ami. Hola, Francisque, Dominique, Simon, Martin, Pierre, Thomas, Georges, Charles, Barthélemy, allons, promptement, mon épée, ma rondasse, ma hallebarde, mes pistolets, mes mousquetons, mes fusils, vite, dépêchez, allons, tue, point de quartier. Je n'entends remuer personne. Ali,
Ali ! Monsieur ! Où donc te caches-tu ? Ces gens sont-ils partis ? Non, personne ne bouge. S'ils viennent, ils seront frottés. Quoi ? Tous nos soins seront donc inutiles. Et toujours ce fâcheux jaloux se moquera de nos desseins. Non ! Le courroux du poids d'honneur me prend. Il ne sera pas dit qu'on triomphe de mon adresse. Ma qualité de fourbe s'indigne de tous ces obstacles. Et je prétends faire éclater les talents que j'ai eus du ciel. Je voudrais seulement que, par quelques moyens, par un billet, par quelques bouches, elle fût avertie des sentiments qu'on a pour elle, et savoir les siens là-dessus. Après, on peut trouver facilement les moyens. Laissez-moi faire seulement. J'en essaierai tant de toutes les manières que quelque chose enfin nous pourra réussir. Allons, le jour paraît. Je vais chercher mes gens et venir attendre en ce lieu que notre jaloux sorte. Je ne sais pas quel plaisir vous prenez à me réveiller si matin. Cela s'ajuste assez mal, ce me semble, au dessein que vous avez pris de me faire peindre aujourd'hui. Et ce n'est guère pour avoir le teint frais et les yeux brillants que se lever ainsi dès la pointe du jour. J'ai une affaire qui m'oblige à sortir à l'heure qu'il est. Mais l'affaire que vous avez eu bien pu se passer, je crois, de ma présence. Oui. Et vous pouviez, sans vous incommoder, me laisser goûter les douceurs du matin. Oui. Mais je suis bien aise de vous avoir toujours avec moi. Et il n'est pas mal de s'assurer contre les soins des surveillants. Et cette nuit encore, on est venu chanter sous nos fenêtres. Il est vrai. La musique en était admirable. C'était pour vous que cela se faisait ? Je le veux croire ainsi, puisque vous me le dites. Vous savez qui était celui qui donnait cette sérénade ? Non pas. Mais qui que ce puisse être, je lui suis obligée. Obligé ? Sans doute, puisqu'il cherche à me divertir. Vous trouvez donc bon qu'on vous aime ? Fort bon. Et vous voulez du bien à tous ceux qui prennent ce soin ? Assurément. C'est dire fort net ses pensées. À quoi bon de dissimuler ? Quelque mine qu'on fasse, on est toujours bien aise d'être aimé. Ces hommages à nos appâts ne sont jamais pour nous déplaire. Quoi qu'on en puisse dire, la grande ambition des femmes est, croyez-moi, d'inspirer de l'amour. Tous les soins qu'elles ne prennent ne sont que pour cela. Et l'on n'en voit point de si fières qui ne s'applaudissent en son cœur des conquêtes que font ses yeux. Mais si vous prenez, vous, du plaisir à vous voir aimer, savez-vous bien, moi qui vous aime, que je n'y en prends nullement ? Je ne sais pas pourquoi cela. Et si j'aimais quelqu'un, je n'aurais point de plus grand plaisir que de le voir aimer de tout le monde. Y a-t-il rien qui marque davantage la beauté du choix que l'on fait ? Et n'est-ce pas pour s'applaudir que ce que nous aimons soit trouvé fort aimable ? Chacun aime à sa guise et ce n'est pas là ma méthode ! Bon, je serais fort ravi qu'on ne vous trouve point si belle et vous m'obligerez de n'affecter point tant de la paraître à d'autres yeux. Quoi ? Jaloux de ces choses-là ? Oui ! Jaloux de ces choses-là ! Jaloux comme un tigre ! Mais, si vous voulez... comme un diable. Mon amour vous veut tout à moi. Sa délicatesse s'offense d'un sourire, d'un regard que vous pouvez arracher. Et tous les soins qu'on me voit prendre ne sont que pour fermer tout accès au galant et pour m'assurer la possession d'un cœur dont je ne puis souffrir, qu'on me vole la moindre chose. Certes. Voulez-vous que je dise ? Vous prenez un mauvais parti. Et la possession d'un cœur est fort mal assurée lorsqu'on prétend le retenir par force. Pour moi, je vous l'avoue, si j'étais galant d'une femme qui fût au pouvoir de quelqu'un, je mettrais toute mon étude à rendre ce quelqu'un jaloux. Et l'obliger à veiller nuit et jour celle que je voudrais gagner. C'est un admirable moyen d'avancer ses affaires. Et l'on ne tarde guère à profiter du chagrin et de la colère que donne à l'esprit d'une femme la contrainte et la servitude. Si bien donc que... si quelqu'un vous en comptait, il vous trouverait disposé à recevoir ses vœux. Je ne vous dis rien là-dessus. Mais les femmes, enfin, n'aiment pas qu'on les gêne. Et c'est beaucoup risqué que de leur montrer des soupçons et de les tenir renfermés. Vous reconnaissez peu ce que vous me devez. Il me semble... une esclave qu'on a affranchie et dont on veut faire sa femme. Quelle obligation vous ai-je si vous changez mon esclavage en un autre beaucoup plus rude ?
Si vous ne me laissez jouir d'aucune liberté et me fatiguer, comme on voit, d'une garde continuelle. Mais tout cela ne part que d'un excès d'amour! Si c'est votre façon d'aimer, je vous prie de me haïr. Vous êtes aujourd'hui dans une humeur désobligeante. Et je pardonne ces paroles au chagrin que vous pouvez être de vous être levé matin. Allô? Très beau cérémonie, que voulez-vous? Seigneur, avec la permission de la signorée, je vous dirai, avec la permission de la signorée, que je viens vous trouver, avec la permission de la signorée, pour vous prier, avec la permission de la signorée, de vouloir bien, avec la permission de la signorée... Avec la permission de la signorée, passez un peu de ce côté. Seigneur, je suis un virtuose. Je n'ai rien à donner! Ce n'est pas ce que je demande, mais comme je me mêle un peu de musique et de danse... J'ai instruit quelques esclaves qui voudraient bien trouver un maître qui se plût à ces choses. Et comme je sais que vous êtes une personne considérable, je voudrais vous prier de les voir et de les entendre pour les acheter, s'il vous plaît, ou pour leur enseigner quelqu'un de vos amis qui voulut s'en accommoder. C'est une chose à voir et cela nous divertira. Faites-les nous venir. Voici une chanson nouvelle qui est du temps. Écoutez, chalabala. D'un cœur ardent en tout lieu, un amant suit une belle. D'un cœur ardent en tout lieu, un amant suit une belle. Mais d'un jaloux odieux, la vigilance éternelle fait qu'il ne peut que des yeux s'entretenir avec elle. Est-il peine plus cruelle? Pour un cœur bien amoureux, est-il peine plus cruelle? Pour un cœur bien amoureux, chiribirida. Savez-vous bien, mais drôle, que cette chanson sent sur vos épaules les coups de bâton? Chiribirida. Ah! Ha! Quels égrillards! Allons, rentrons ici. J'ai changé d'idée. Et puis. Le temps se couvre un peu. Ah, fourbe que je vous y trouve. Eh bien oui, mon maître l'adore. Il n'a point de plus grand désir que de lui montrer son amour. Et si elle y consent, il la prendra pour femme. Oui, oui, je la lui garde. Nous l'aurons malgré vous. Comment, coquin? Nous l'aurons dit, j'en dépit de vos dents. Si je prends... Vous avez beau faire la garde, j'en ai juré, elle sera à nous. Laisse-moi faire. Je t'attraperai sans courir. C'est nous qui vous attraperons. Elle sera notre femme. La chose est résolue. Il faut que j'y périsse ou que j'en vienne à bout. Ah, monsieur, j'ai déjà fait quelques petites tentatives. Ne tenez point en peine. J'ai trouvé par hasard tout ce que je voulais et je vais jouir du bonheur de voir chez elle cette belle. Je me suis rencontré chez le peintre Damon qui m'a dit qu'aujourd'hui, il venait faire le portrait de cette adorable personne. Et comme il est depuis longtemps de mes plus intimes amis, il a voulu servir mes feux. Et m'envoie à sa place, avec un petit mot de lettre pour me faire accepter. Tu sais que de tout temps, je me suis plu à la peinture. Et que parfois, je manie le pinceau contre la coutume de France, qui ne veut pas qu'un gentilhomme sache rien faire. Mais ainsi, j'aurai la liberté de voir cette belle à mon aise. Mais je ne doute pas que mon fâcheux jaloux ne soit toujours présent et n'empêche tous les propos que nous pourrions avoir ensemble. Et pour te dire vrai, j'ai... par le moyen d'une jeune esclave, un stratagème, pour tirer cette belle grecque des mains de son jaloux. Si je puis obtenir d'elle qu'elle y consente... Laissez-moi faire. Je veux vous faire un peu de jour à la pouvoir entretenir. Non. Et il ne sera pas dit que je ne serve à rien dans cette affaire. Non, tout de ce pas et j'ai déjà préparé toute chose. Non, je vais de mon côté me préparer aussi. Non, je ne veux point perdre de temps. Hola! Il me tarde que je ne goûte le plaisir de la voir. Que cherchez-vous, cavalier, dans cette maison? Je cherche le seigneur Dom Pedro. Vous l'avez devant vous. Il prendra, s'il lui plaît, la peine de lire cette lettre. Je vous envoie, au lieu de moi, pour le portrait que vous savez, ce gentilhomme français. Qui, comme curieux d'obliger les honnêtes gens, a bien voulu prendre ce soin sur la proposition que je lui en ai faite. Il est sans contredit le premier homme du monde pour ces sortes d'ouvrages et j'ai cru que je ne pouvais rendre sa fille plus agréable que de vous l'envoyer dans le dessein que vous avez d'avoir un portrait achevé de la personne que vous aimez.
Gardez-vous bien surtout de lui parler d'aucune récompense, car c'est un homme qui s'en offenserait, qui ne fait de choses que pour la gloire et la réputation seigneur français. C'est une grande grâce que vous voulez me faire. Et je vous suis fort obligé. Toute mon ambition est de rendre service aux gens de nom et de mérite. Je vais faire venir la personne dont il s'agit. Voici un gentilhomme que Damon nous envoie, qui veut bien se donner la peine de vous peindre. Hola, seigneur français! Cette façon de saluer n'est point d'usage dans ce pays. C'est la manière de France. La manière de France est bonne pour vos femmes. Mais pour les nôtres, elle est un peu trop familière. Je reçois cet honneur avec beaucoup de joie. L'aventure me surprend fort et pour dire le vrai, je ne m'attendais pas d'avoir un peintre si illustre. Il n'y a personne, sans doute, qui ne tente à beaucoup de gloire de toucher à un tel ouvrage. Je n'ai pas grande habileté, mais le sujet ici ne fournit que trop de lui-même. Et il y a moyen de faire quelque chose de beau sur un original fait comme celui-là. L'original est peu de choses. Mais l'adresse du peintre en saura couvrir les défauts. Le peintre n'y envoie aucun. Et tout ce qu'il souhaite est d'en pouvoir représenter les grâces aux yeux de tout le monde, aussi grandes qu'il les peut voir. Si votre pinceau flatte autant que votre langue, vous allez me faire un portrait qui ne me ressemblera pas. Le ciel qui fit l'original nous ôte le moyen d'en faire un portrait qui puisse flatter. Le ciel, quoi qu'on en dise, ne... Finissons cela, de grâce. Ils sont les compliments, là. Ils sont jonges au portrait. Allô? Apportez tout. Où voulez-vous que je me place? Ici. Voici le lieu le plus avantageux et qui reçoit le mieux les vues favorables de la lumière que nous cherchons. Suis-je bien ainsi? Oui. Levez-vous un peu, s'il vous plaît. Un peu plus de ce côté-là. Le corps tourné ainsi. La tête un peu levée afin que la beauté du coup paraisse. Ceci un peu plus découvert. Bon. Là, un peu davantage. Bon. Encore, tant soit peu. Y a bien de la peine à vous mettre. Ne sauriez-vous vous tenir comme il faut? Ce sont ici des choses toutes neuves pour moi. Et c'est à monsieur à me mettre de la façon qu'il veut. Voilà. Qui va le mieux du monde. Et vous vous tenez à merveille. Comme cela. S'il vous plaît. Le tout dépend des attitudes qu'on donne aux personnes qu'on paie. Fort bien. Un peu plus de ce côté. Vos yeux toujours tournés vers moi, je vous prie. Vos regards attachés aux miens. Je ne suis pas comme ces femmes qui veulent, en se faisant peindre, des portraits qui ne sont point elles. Et ne sont point satisfaites du peintre s'il ne les fait toujours plus belles que le jour. Il faudrait, pour les contenter, ne faire qu'un portrait pour toutes. Car toutes demandent les mêmes choses. Un teint tout de lisse et de rose, un nez bien fait, une petite bouche et de grands yeux vifs, bien fendus. Et surtout, le visage pas plus gros que le poing, l'eussent-elles d'un pied de large. Pour moi, je vous demande un portrait qui soit moi et qui n'oblige pas à demander qui c'est. Il serait malaisé qu'on demandât cela du vôtre. Et vous avez des traits à qui fort peu d'autres ressemblent, qu'ils ont de douceur, de charme, et qu'on court de risque à les peindre. Le nez me semble un peu trop gros. J'ai lu, je ne sais où, qu'Appel peignit autrefois une maîtresse d'Alexandre et qu'il en devint la peignant si éperdument amoureux qu'il fut prêt d'en perdre la vie. De sorte qu'Alexandre, par générosité, lui céda l'objet de ses vœux. Je pourrais faire ce qu'Appel fit autrefois, mais vous ne feriez pas peut-être ce que fit Alexandre.
Tout cela sans la nation. Et toujours, messieurs les Français, ont un fond de galanterie qui se répand partout. On ne se trompe guère à ces sortes de choses, et vous avez l'esprit trop éclairé pour ne pas voir de quelle source partent les choses, comme vous dites. Oui, quand Alexandre serait ici, et que ce serait votre amant, je ne pourrais m'empêcher de vous dire que je n'ai rien vu de si beau que ce que je vois maintenant, et que... Seigneur Français, vous ne devriez pas, ce me semble, parler... Cela vous détourne de votre ouvrage. Ah, point du tout. J'ai toujours de coutume de parler quand je peins. Et il est besoin dans ces choses d'un peu de conversation pour réveiller l'esprit et tenir les visages dans la gaieté nécessaire aux personnes que l'on veut peindre. Allah, Hudak. Que veut cet homme-là? Et qui laisse monter les gens sans nous en venir avertir? J'entre ici librement, mais entre cavalières, de liberté est permise. Seigneur, suis-je connu de vous? Non, seigneur... Je suis Don Giles d'Avalos et l'histoire d'Espagne doit vous avoir instruit de mon mérite. Souhaitez-vous quelque chose de moi? Oui. Un conseil sur un fait d'honneur. Je sais qu'en ces matières, il est malaisé de trouver une cavalière plus consommée que vous. Mais je vous demande pour grâce que nous nous tirions à l'écart. Nous voilà assez loin. Elle a les yeux bleus. Seigneur, j'ai reçu une soufflette. Vous savez ce qu'est une soufflette? Lorsqu'elle est donnée à main ouverte sur le beau milieu de la joue, j'ai ce soufflet fort sur le cœur. Et je suis dans l'incertitude si pour me venger de l'affront, je dois me battre avec mon homme ou bien le faire assassiner. Assassiner, c'est le plus court chemin. Quel est votre ennemi? Non, mais parlons bas, s'il vous plaît. Oui, charmante Isidore, mes regards vous le disent depuis plus de 2 mois et vous les avez entendus. Je vous aime plus que tout ce que l'on peut aimer et je n'ai point d'autre pensée, d'autre but, d'autre passion que d'être à vous toute ma vie. Je ne sais si vous dites vrai, mais vous persuadez. Mais vous persuadez-je jusqu'à vous inspirer quelque peu de bonté pour moi? Je ne crains que d'en trop avoir. En aurez-vous assez pour consentir, belle Isidore, au dessein que je vous ai dit? Je ne puis encore vous le dire. Qu'attendez-vous pour cela? À me résoudre. Mais quand on aime, on se résout bientôt. Eh bien, allez, oui, j'y consens. Mais consentez-vous, dites-moi, que ce soit dès ce moment même. Lorsqu'on est une fois résolu sur la chose, s'arrête-t-on sur le temps? Voilà mon sentiment et je vous baise les mains. Seigneur, quand vous aurez reçu quelques soufflettes, je suis homme aussi de conseil et je pourrai vous rendre le pareil. Je vous laisse aller sans vous reconduire, mais entre cavaliers, cette liberté est permise. Non, il ne m'est rien qui puisse effacer de mon cœur les tendres... témoignage. Je regardais ce petit trou qu'elle a à côté du menton et je croyais d'abord que ce fût une tache. Mais c'est assez pour aujourd'hui, nous finirons une autre fois. Non, ne regardez rien encore, faites serrer tout cela, je vous prie. Et vous, je vous conjure de ne vous relâcher point. Et de garder un esprit gai pour le dessein que j'ai d'achever notre ouvrage. Je conserverai pour cela toute la gaieté qu'il faut. Qu'en dites-vous? Ce gentilhomme me paraît le plus civil du monde. Et l'on doit demeurer d'accord que les Français ont quelque chose en eux de poli, de galant, que n'ont point les autres nations. Oui. Mais ils ont cela de mauvais qu'ils s'émancipent un peu trop et s'attachent en étourdis à compter fleurettes à tout ce qu'ils rencontrent. C'est qu'ils savent qu'on plaît aux dames par ces choses. Oui. Mais s'ils plaisent aux dames, ils déplaisent fort aux messieurs. Et l'on n'est pas bien aise de voir sur sa moustache cajoler hardiment sa femme ou sa maîtresse. Ce qu'ils en font n'est que par jeu. Ah, au secours! Seigneur cavalier, sauvez-moi s'il vous plaît des mains d'un mari furieux dont je suis poursuivie. Sa jalousie est incroyable et passe dans ses mouvements tout ce qu'on peut imaginer. Il va jusqu'à vouloir que je sois toujours voilée et pour m'avoir trouvé le visage un peu découvert, il a mis l'épée à la main et m'a réduite à me jeter chez vous pour vous demander votre appui contre son injustice. Mais je le vois paraître. De grâce, seigneur cavalier, sauvez-moi de sa fureur. Entrez là-dedans avec elle. Où est ma femme? Hey, n'appréhendez rien. Où est ma femme? Et quoi? Seigneur! C'est vous! Oh, tant de jalousie pour un Français. Je pensais qu'il n'y eut que nous qui en fussions capables. Les Français excellent toujours dans toutes choses qu'ils font. Et quand nous nous mêlons d'être jaloux, nous le sommes 20 fois plus qu'un Sicilien.
L'infâme croit avoir trouvé chez vous un assuré refuge, mais vous êtes trop raisonnable pour blâmer mon ressentiment. Laissez-moi, je vous prie, la traiter comme elle le mérite. Ah, de grâce, arrêtez. L'offense est trop petite pour un courroux si grand. La grandeur d'une telle offense n'est pas dans l'importance des choses que l'on fait, elle est à transgresser les ordres qu'on nous donne. Et sur de pareilles matières, ce qui n'est qu'une bagatelle devient fort criminel lorsqu'il est défendu. De la façon qu'elle a parlé, tout ce qu'elle en a fait a été sans dessein. Et je vous prie enfin de vous remettre bien ensemble. Et quoi ? Vous prenez son parti, vous qui êtes si délicat sur ces sortes de choses ? Oui, je prends son parti ! Et si vous voulez m'obliger, vous oublierez votre colère et vous vous réconcilierez tous deux. C'est une grâce que je vous demande. Et je la recevrai comme un essai de l'amitié que je veux qu'il soit entre nous. Il ne m'est pas permis à ces conditions de vous rien refuser. Voilà. Je ferai ce que vous voudrez. Venez. Vous n'avez qu'à me suivre. J'ai fait votre paix. Vous ne pouviez jamais mieux tomber que chez moi. Je vous suis obligée plus qu'on ne saurait croire. Mais je m'en vais mettre mon voile. Je n'ai garde sans cela de paraître à ses yeux. La voici qui s'en va venir. Et son âme, je vous assure, a paru toute réjouie quand je lui ai dit que j'avais raccommodé tout. Puisque vous m'avez bien voulu donner votre ressentiment, trouvez bon qu'en ce lieu, je vous fasse toucher dans la main l'un de l'autre et que tous deux, je vous conjure de vivre, pour l'amour de moi, dans une parfaite union. Oui, je vous le promets que pour l'amour de vous, je m'en vais avec elle vivre le mieux du monde. Vous m'obligez sensiblement. Et j'en garderai la mémoire. Je vous donne ma parole, Seigneur Dom Pedro, qu'à votre considération, je m'en vais la traiter du mieux qu'il me sera possible. C'est trop de grâce que vous me faites. Ah, il est bon de pacifier et d'adoucir toute chose. Voilà, Isidore, venez. Comment ? Que veut dire cela ? Ce que cela veut dire, qu'un jaloux est un monstre haï de tout le monde et qu'il n'y a personne qui ne soit ravi de lui nuire, ni eût-il point d'autre intérêt, que toutes les serrures et les verrous du monde ne retiennent point les personnes et que c'est le cœur qu'il faut arrêter par la douceur et par la complaisance. Qu'Isidore est entre les mains du cavalier qu'elle aime et que vous êtes pris pour dupe. Don Pedro souffrira cette injure mortelle. Non. Non. J'ai trop de cœur. Et je vais demander l'appui de la justice pour pousser le perfide à bout. C'est ici le logis d'un sénateur. Voilà ! Serviteur, seigneur Dom Pedro, que vous venez à propos ? Je viens me plaindre j'ai à vous. J'ai fait une mascarade la plus belle un du monde. De vous n'avez dans votre vie m'a jamais rien vu de si beau. Ce sont gens vêtus en maure qui dansent admirablement si les amis merveilleux et qui sont qui faits exprès. Souffrir. Je vous demande je l'appui. Je veux que vous voyez justice. Cela. On va la répéter pour en donner un divertissement au peuple. Comment ? De quoi parlez-vous ? Je parle de ma mascarade. Je vous parle de mon affaire. Oh, je ne veux point aujourd'hui d'autres affaires que de plaisir. Allons, messieurs, venez, voyons si cela ira bien. La peste soit du fou avec sa mascarade. Merci. Merci, bonsoir, bienvenue. Pour cette nouvelle production du Sicilien ou d'Amour peintre de Molière. Alors, comme vous le savez, la fable est très facile à résumer.
Il s'agit de raconter l'histoire du stratagème que met en place Adraste, un gentilhomme français, pour enlever une jeune femme qu'il aime, Isidore, une jeune grecque, qui est retenue plus ou moins prisonnière par Dom Pedre, un Sicilien, qui lui veut l'épouser. Et pour ce stratagème, il est aidé d'Ali et de Climène. J'ai demandé à Pauline Clément de jouer Isidore, à Julien Frison de jouer Adraste et à Johan Gazirovski de jouer Dom Pedre. Elissa Aloula sera Climène et Pierre-Louis Calixte sera Ali. Quant à moi, je jouerai le sénateur, les danseurs et les musiciens. Afin de vous permettre de mieux investir les axes dramaturgiques que je souhaite mettre en place pour ce spectacle et puis de comprendre mieux la scénographie des costumes, je vous propose d'écouter ce que les spectateurs entendront avant que le spectacle ne commence. Les sentiments. Rome, juin 1840. La scène se déroule dans le patio d'un hôtel particulier, bordé d'un magnifique jardin arboré d'essences rares et de fleurs luxuriantes. Les tissus des costumes sont légers, parfois on les croit transparents. La nuit est très douce. Seuls quelques rossignols viennent agréablement troubler le silence de la nuit. Dom Pedre est amoureux. Il est beau, il est charmant, il est jeune, il est riche. Son amante, Isidore, qu'il a dérobée aux joues des vendeurs d'esclaves de Méditerranée, a accueilli l'amour offert par Dom Pedre avec une douceur joyeuse. L'avenir semblait radieux, passionné. Mais Dom Pedre souffre d'une maladie incurable. Il est jaloux, malade de cette jalousie qui crée le soupçon, la suspicion, puis l'enfermement, puis la souffrance, puis les cris. Alors, lorsque Isidore, au détour d'une ruelle et d'un hasard heureux, croise le regard foudroyé d'Adraste, elle se met à rêver d'un moment serein et libre, loin de la violence et de l'enfermement où la tient la jalousie de son amant. Alors elle se laisse séduire par jeu, par liberté et par inconstance. Ali, le valet d'Adraste, est un fourbe professionnel qui va aider son maître par jeu et pour l'argent. Il donne le meilleur de lui-même pour faire en sorte que tout cela soit fini le plus vite possible. Il travaille. Climène est une actrice dont le mari est tout aussi jaloux que Dom Pedre. Dom Pedre et Isidore avaient tout pour être heureux et pourtant... Quel gâchis! À la fin, Dom Pedre pourrait citer Musset. Lorsque ma vie consacrée à un être adoré pouvait se remplir d'une sève nouvelle, c'est en ce moment que tout s'abîme et s'évanouit devant moi. Et me voilà. Non plus avec des désirs vagues, mais avec des regrets réels. Non plus le cœur vide, mais dépeuplé. N'avancez pas davantage et demeurez dans cet endroit jusqu'à ce que je vous appelle. Il fait noir comme dans un four. Le ciel ce soir s'est habillé en scaramouche et je ne vois pas une étoile qui montre le bout de son nez, sotte condition que celle d'un esclave. De ne vivre jamais pour soi, d'être toujours tout entier aux passions d'un maître, de n'être réglé que par... ses humeurs, et de se voir réduit à faire ses propres affaires, de tous les soucis qu'il peut prendre. Le mien me fait épouser ici ses inquiétudes, et parce qu'il est amoureux, il faut que, nuit et jour, je n'ai aucun repos. Mais voici des flambeaux, et sans doute c'est lui. Est-ce toi, Ali ? Et qui pourrait-ce être que moi, à 7 heures de la nuit ? Or, vous et moi, monsieur ! Je ne crois pas que personne s'avise de courir maintenant les rues. Aussi ne crois-je pas qu'on puisse voir personne qui sente dans son cœur la peine que je sens. Car enfin, ce n'est rien d'avoir à combattre l'indifférence ou la rigueur d'une beauté qu'on aime. On a toujours au moins le plaisir de la plainte et la liberté des soupirs. Et de pouvoir trouver aucune occasion de parler à celle qu'on adore. De pouvoir savoir d'une belle si l'amour qu'inspirent nos yeux est pour lui plaire ou lui déplaire, c'est la plus fâcheuse à mon gré de toutes les inquiétudes. Et c'est tout me réduit l'incommode jaloux qui veille avec tant de soucis sur ma charmante grecque. Il ne fait pas un pas sans la traîner à ses côtés. Mais il est en amour plusieurs façons de se parler.
Il me semble à moi que vos yeux et les siens, depuis près de 2 mois, se sont dit bien des choses. Il est vrai qu'elle et moi, souvent, nous nous sommes parlé des yeux. Mais comment reconnaître que chacun de notre côté, nous ayons, comme il faut, expliqué ce langage? Et que sais-je, après tout, si elle entend bien tout ce que mes regards lui disent? Et si les siens me disent ce que je crois parfois entendre? Il faut chercher quelques moyens de se parler d'autre manière. As-tu là tes musiciens? Oui. Fais-les approcher. Je veux jusqu'au jour les faire chanter ici. Et voir si leur musique n'obligera point cette belle à paraître à quelques fenêtres. Les voici. Que chanteront-ils? Ce qu'ils jugeront de meilleur. Ah, il faut qu'ils chantent un trio qu'ils me chantèrent l'autre jour. Non, non, ce n'est pas ce qu'il me faut. Ah, monsieur! Oh, c'est du beau Bécard! Que diantre veux-tu dire avec ton beau Bécard? Monsieur, je tiens pour le Bécard, vous savez que je m'y connais. Le Bécard me charme. Hors du Bécard, point de salut en harmonie. Écoutez un peu ce trio. Non, non, je veux quelque chose de tendre et de passionné. Quelque chose qui m'entretienne dans une douce rêverie. Ah, je vois bien que vous êtes pour le bémol. Mais il y a un moyen de nous contenter l'un l'autre. Il faut qu'ils chantent une certaine petite scène d'une comédie que je leur ai vu essayer l'autre jour. Ah, ce sont 2 bergers amoureux, tout remplis de langueur, qui sur le bémol viennent séparément faire leur plainte dans un bois, puis ils se découvrent l'un à l'autre la cruauté de leur maîtresse. Et là, là-dessus... arrive un berger, joyeux, avec un Bécard admirable, qui se moque de leur faiblesse. J'y consens. Voyons ce que c'est. Bah, voici tout juste un lieu propre à servir de scène. Et voilà 2 flambeaux pour éclairer la comédie. Et place-toi contre ce logis, afin qu'au moindre bruit que l'on fera dedans, je fasse cacher les lumières. Les oiseaux réjouis dès que le jour s'avance, recommence leur chant dans les vastes forêts. Et moi, j'y recommence mes soupirs languissants et mes tristes regrets. Et moi, j'y recommence mes soupirs languissants et mes tristes regrets. Et mes tristes regrets. Monsieur, je viens d'ouïr quelques bruits au-dedans. Qu'on se retire vite et qu'on éteigne les flambeaux. Il y a quelque temps que j'entends chanter à ma porte. Et sans doute, cela ne se fait pas pour rien. Il faut que, dans l'obscurité, je tâche à découvrir quels gens ce peuvent être. Ali! Quoi? N'entends-tu plus rien? Non. Quoi? Mais tous nos efforts ne pourront obtenir que je parle un moment à cet aimable grec. Et ce jaloux maudit, ce traître de Sicilien, me fermera toujours tout accès auprès d'elle. Je voudrais de bon cœur que le diable l'eût emporté pour la fatigue qu'il nous donne, le fâcheux. Le bourreau qu'il est, ah, si nous le tenions ici, que je prendrais de joie à venger sur son dos tous les pas inutiles que sa jalousie nous fait faire. Ici, faut-il bien trouver pourtant quelques moyens, quelque invention, quelque ruse pour attraper notre brutal? J'y suis trop engagé pour en avoir le démenti. Et quand j'y devrais employer... Monsieur! Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais la porte est ouverte. Ouais. Et si vous voulez, j'entrerai doucement pour découvrir d'où cela vient. Oui, fait. Mais sans faire de bruit, je ne m'éloigne pas de toi. Plutôt ciel que ce fut ma charmante Isidore. Qui va là? Ami! Oh là... Francisque? Dominique? Simon? Martin-Pierre? Thomas? Georges? Charles. Barthélemy! Allons, promptement, mon épée, ma rondache, ma hallebarde, mes pistolets, mes mousquetons, mes fusils. Vite! Dépêchez. Allons. Point de quartier. Je n'entends remuer personne. Ali, Ali! Monsieur. Où d'autres caches-tu? Ces gens-là sont-ils sortis? Non, personne ne bouge. S'ils viennent, ils seront frottés. Mais quoi? Mais tous nos soins seront donc inutiles? Et toujours ce fâcheux jaloux se moquera de nos desseins? Non! Le courroux du point d'honneur me prend!
Il ne sera pas dit qu'on triomphe de mon adresse. La qualité de fourbe s'indigne à tous ces obstacles et je prétends faire éclater les talents que j'ai eus. Du ciel. Je voudrais seulement que par quelques moyens, par un billet, par quelques bouches, elle fût avertie des sentiments qu'on a pour elle. Et savoir les siens là-dessus. Après, on peut trouver facilement le moyen. Mais laisse-moi faire seulement. J'en essaierai tant, de toutes les manières, que quelque chose enfin nous pourra réussir. Allons. Le jour paraît. Je vais chercher mes gens et venir attendre en ce lieu que notre jaloux sorte. Je ne sais pas quel plaisir vous prenez à me réveiller si matin. Cela s'ajuste mal. Ça me semble au dessein que vous avez pris de me faire peindre aujourd'hui, et ce n'est guère pour avoir le teint frais et les yeux brillants que de se lever ainsi dès la pointe du jour. Et j'ai une affaire qui m'oblige à sortir à l'heure qu'il est. Mais l'affaire que vous avez eu bien pu se passer, je crois, de ma présence. Et vous pourriez, sans vous incommoder, me laisser goûter les douceurs du sommeil du matin. Oui, mais je suis bien aise de vous voir toujours avec moi. Il n'est pas mal de s'assurer un peu contre les soins des surveillants. Et cette nuit encore, on est venu chanter sous nos fenêtres. Il est vrai. La musique en était admirable. Et c'était pour vous que cela se faisait ? Je veux le croire ainsi, puisque vous me le dites. Et vous savez qui était celui qui donnait cette sérénade ? Non pas. Mais qui que ce puisse être, je lui suis obligée. Obligée ? Sans doute. Puisqu'il cherche à me divertir. Vous trouvez donc bon qu'on vous aime ? Fort bon. Cela n'est jamais qu'obligeant. Et vous voulez du bien à tous ceux qui prennent ce soin ? Assurément. C'est dire fort net ses pensées. À quoi bon de dissimuler ? Quelques mines qu'on fasse, on est toujours bien aise d'être aimé. Ces hommages à nos appâts ne sont jamais pour nous déplaire, quoi qu'on en puisse dire. La grande ambition des femmes est, croyez-moi, d'inspirer de l'amour. Tous les soins qu'elles prennent ne sont que pour cela. Et l'on n'en voit point de si fiers qui ne s'applaudissent en son cœur des conquêtes que font ses yeux. Mais si vous prenez, vous, du plaisir à vous voir aimer, savez-vous bien, moi qui vous aime, que je n'y en prends nullement ? Je ne sais pas pourquoi cela. Et si j'aimais quelqu'un, je n'aurais point de plus grand plaisir que de le voir aimé de tout le monde. Y a-t-il rien qui marque davantage la beauté du choix que l'on fait ? Et n'est-ce pas pour s'applaudir que ce que nous aimons soit trouvé fort aimable ? Chacun aime à sa guise et ce n'est pas là ma méthode. Je serais fort ravi qu'on ne vous trouve point si belle. Et vous m'obligerez de n'affecter point tant de la paraître à d'autres yeux. Quoi ? Jaloux de ces choses-là ? Oui, jaloux de ces choses-là, mais jaloux comme un tigre et, si vous voulez, comme un diable. Mon amour vous veut tout à moi. Sa délicatesse s'offense d'un sourire, d'un regard qu'on vous peut arracher. Et tous les soins qu'on me voit prendre ne sont que pour fermer tout accès au galant et m'assurer la possession d'un cœur dont je ne puis souffrir qu'on me vole la moindre chose. Certes. Voulez-vous que je vous dise ? Vous prenez un mauvais parti. Et la possession d'un cœur est fort mal assurée lorsqu'on prétend la retenir par force. Pour moi, je vous l'avoue, si j'étais galant d'une femme qui fût au pouvoir de quelqu'un, je mettrais toute mon étude à rendre ce quelqu'un jaloux. Et l'obliger à veiller nuit et jour celle que je voudrais gagner. C'est un admirable moyen d'avancer ses affaires et l'on ne tarde guère à profiter du chagrin et de la colère que donne à l'esprit d'une femme la contrainte, la servitude. Si bien donc que si quelqu'un vous en comptait, il vous trouverait disposé à recevoir ses vœux. Je ne vous dis rien là-dessus. Mais les femmes, enfin, n'aiment pas qu'on les gêne. Et c'est beaucoup risqué que de leur montrer des soupçons, de les tenir renfermées. Vous reconnaissez peu ce que vous me devez. Et il me semble qu'une esclave que l'on a affranchie et dont on veut faire sa femme... Quelle obligation vous ai-je si vous changez mon esclavage en un autre beaucoup plus rude ? Si vous ne me laissez jouir d'aucune liberté et me fatiguer comme on voit d'une garde continuelle. Mais tout cela n'est que par un excès d'amour. Si c'est votre façon d'aimer, je vous prie de me haïr. Vous êtes aujourd'hui dans une humeur désobligeante. Et je pardonne ces paroles au chagrin où vous pouvez être de vous être levé matin. Allez ! Trêve de cérémonie.
Que voulez-vous ? Seigneur, avec la permission de la signore, je vous dirai, avec la permission de la signore, que je viens vous trouver, avec la permission de la signore, pour vous prier, avec la permission de la signore, pour vous voir bien, avec la permission de la signore. Avec la permission de la signore, passez un peu de ce côté. Seigneur, je suis une virtuose. Ah, je n'ai rien à donner. Ce n'est pas ce que je demande. Et comme il me mêle un peu de musique et de danse, j'ai instruit quelques esclaves qui voudraient trouver un maître qui se ploute à ces choses. Et comme je sais que vous êtes une personne considérable, je voudrais vous prier de les voir et de les entendre pour les acheter, s'il vous plaît. Pour leur enseigner quelqu'un de vos amis qui voulut s'en accommoder. Non. C'est une chose à voir, et cela nous divertira. Faites-nous venir. Shalabalala, la shalabalada. Voici une chanson nouvelle qui est du temps. Écoutez bien. Chiribirida, chiribirida, star bon tour, chiribirida. D'un cœur ardent en tout lieu, un amant suit une belle, mais d'un jaloux odieux, la vigilance éternelle fait qu'il ne peut que des yeux s'entretenir avec elle. Est-il peine plus cruelle pour un cœur bien amoureux? Chiribirida, chiribirida. C'est un supplice à tout coup sous qui cet amant expire. Mais si d'un œil un peu doux la belle voit son martyr et qu'on sent qu'aux yeux de tous par ses attraits il soupire, il pourrait bientôt se rire de tous les soins du jaloux. Savez-vous, les drôles, que cette chanson sent pour vos épaules les coups de bâton? Oh! Oh! Quels égrillards! Allons, rentrons ici. Oui, j'ai changé de pensée. Et puis, le temps se couvre un peu. Chilibilila, chilibilila. Ah, fourbe, que je vous y trouve. Eh bien, oui. Mon maître l'adore. Il n'a point de plus grand désir que de lui montrer son amour. Et si elle y consent, il la prendra pour femme. Oui, oui, ben je l'y garde. Nous l'aurons, malgré vous. Comment, coquin? Nous l'aurons, vous dis-je, en dépit de vos dents. Si je prends... Vous avez beau faire la garde, j'en ai juré. Elle sera à nous. Laisse-moi faire, je t'attraperai sans c'est courir. C'est nous qui vous attraperons. Elle sera notre femme. La chose est résolue. Il faut que j'y périsse ou que j'en vienne à bout. Ah, monsieur, j'ai déjà fait quelques petites tentatives, mais... Ne te mets point en peine, j'ai trouvé par hasard tout ce que je voulais, et je vais jouir du bonheur de voir chez elle cette belle. Je me suis rencontré chez le peintre Damon, qui m'a dit qu'aujourd'hui, il venait faire le portrait de cette adorable personne. Et comme il est depuis longtemps de mes amis les plus intimes, il a voulu servir mes feux, et m'envoie à sa place avec un petit mot de lettre pour me faire accepter. Bah, tu sais que de tout temps, je ne me suis plus à la peinture, et que parfois, je manie le pinceau. Contre la coutume de France, qui ne veut pas qu'un gentilhomme sache rien faire. Ainsi, j'aurai la liberté de voir cette belle à mon aise. Et je ne doute pas que mon jaloux fâcheux ne soit toujours présent et n'empêche tous les propos que nous pourrions avoir ensemble. Et pour te dire vrai, j'ai, par le moyen d'une jeune esclave, un stratagème pour tirer cette belle grecque des mains de son jaloux, si je puis obtenir d'elle qu'elle y consente. Laissez-moi faire. Je veux vous faire un peu de jour à la pouvoir entretenir. Il ne sera pas dit que je ne serve rien dans cette affaire-là. Quand allez-vous... Tout de ce pas, et j'ai déjà préparé toute chose. Je vais, de mon côté, me préparer aussi. Je ne veux point perdre de temps. Hola ! Il me tarde que je ne goûte au plaisir de la voir. Que cherchez-vous, cavalier, dans cette maison ? Je cherche le seigneur Dom Pedro. Vous l'avez devant vous. Il prendra, s'il lui plaît, la peine de lire cette lettre. Je vous envoie au lieu de moi pour le portrait que vous savez, ce gentilhomme français qui,
comme curieux d'obliger les honnêtes gens, a bien voulu prendre ce soin sur la proposition que je lui en ai faite. Ah. Il est sans contredit le premier homme du monde pour ces sortes d'ouvrages, et j'ai cru que je ne pouvais rendre un service plus agréable que de vous l'envoyer dans le dessein que vous avez d'avoir un portrait achevé de la personne que vous aimez. Ah. Gardez-vous bien surtout de lui parler d'aucune récompense, car c'est un homme qui s'en offenserait et qui ne fait les choses que pour la gloire et pour la réputation. Ah. Seigneur, français, c'est une grande grâce que vous me voulez faire. Je vous suis fort obligé. Toute mon ambition est de rendre service aux gens de nom et de mérite. Je vais faire venir la personne dont il s'agit. Voici un gentilhomme que Damon nous envoie et qui se veut bien donner la peine de vous peindre. Oh là, seigneur français. Cette façon de saluer n'est point d'usage dans ce pays. C'est la manière de France. La manière de France est bonne pour vos femmes, mais pour les nôtres, elle est un peu trop familière. Je reçois cet honneur avec beaucoup de joie. L'aventure me surprend fort et, pour dire vrai, je ne m'attendais pas d'avoir un peintre si illustre. Il n'y a personne, sans doute, qui ne tient à beaucoup de gloire de toucher à un tel ouvrage. Je n'ai pas grande habileté, mais le sujet ici ne fournit trop de lui-même. Et il y a moyen de faire quelque chose de beau sur un original fait comme celui-là. L'original est peu de choses, mais l'adresse du peintre en sera courir les défauts. Oh, le peintre n'y envoie aucun. Et tout ce qu'il souhaite est d'en pouvoir représenter les grâces aux yeux de tout le monde, aussi grandes qu'il les peut voir. Si votre pinceau flatte autant que votre langue, vous allez me faire un portrait qui ne me ressemble pas. Le ciel qui fit l'original nous ôte le moyen d'en faire un portrait qui puisse flatter. Le ciel, quoi que vous en disiez... Bah, finissons cela, de grâce. Laissons les compliments et songeons au portrait. Allons, apportez tout. Où voulez-vous que je me place? Ici. Voici le lieu le plus avantageux et qui reçoit le mieux les vues favorables de la lumière que nous cherchons. Suis-je bien ainsi? Oui. Levez-vous un peu, s'il vous plaît. Un peu plus de ce côté-là. Le corps tourné ainsi. La tête un peu levée. Afin que la beauté du cou paraisse. Ceci un peu plus découvert. Bon. Là. Un peu davantage. Encore un tout soit peu. Bon. Il y a bien de la peine à vous mettre. Ne sauriez-vous vous tenir comme une faux? Ce sont ici des choses toutes neuves pour moi. Et c'est à monsieur à me mettre de la façon qu'il veut. Bah, voilà qui va le mieux du monde. Et vous vous tenez à merveille, comme cela, s'il vous plaît. Le tout dépend des attitudes qu'on donne aux personnes qu'on veut peindre. Fort bien. Un peu plus de ce côté. Vos yeux toujours tournés vers moi. Je vous en prie. Vos regards attachés aux miens. Je ne suis pas comme ces femmes qui veulent, en se faisant peindre, des portraits qui ne soient point elles. Et ne sont point satisfaites du peintre qui, s'ils ne les ont fait toujours plus belles que le jour, il faudrait, pour les contenter, ne faire qu'un portrait pour toutes. Car toutes demandent les mêmes choses. Un teint tout lisse et de rose, un nez bien fait, une petite bouche et de grands yeux vifs bien fendus, et surtout le visage pas plus gros que le poing, l'eussent-elles d'un pied de large. Pour moi, je vous demande un portrait qui soit moi et qui n'oblige point à demander qui c'est. Il serait malaisé qu'on demande à cela du vôtre. Vous avez des traits à qui fort peu d'autres ressemblent, qu'ils ont de douceur et de charme et qu'on court de risque à les peindre. Le nez me semble un peu trop gros. J'ai lu je ne sais où qu'Appelle ait peigné autrefois une maîtresse d'Alexandre et qu'il en devint, la peignant, si éperdument amoureux, qu'il fut prêt d'en perdre la vie. De sorte qu'Alexandre, par générosité, lui céda l'objet de ses vœux. Je pourrais faire ici ce que fit Appelle, mais vous ne feriez peut-être pas ce que fit Alexandre. Tout cela sans la nation. Et toujours, messieurs, les Français ont un fond de galanterie qui se répand partout. On ne se trompe guère sur ces sortes de choses. Et vous avez l'esprit trop éclairé pour ne pas voir de quelle source partent les choses qu'on vous dit. Oui, quand Alexandre serait ici, et que ce serait votre amant, je ne pourrais m'empêcher de vous dire que je n'ai rien vu de si beau que ce que je vois maintenant. Seigneur français, vous ne devriez pas, ce me semble, parler. Cela vous détourne de votre ouvrage. Ah, point du tout. J'ai toujours de coutume de parler quand je peins. Et il est besoin dans ces choses d'un peu de conversation pour réveiller l'esprit et tenir le visage dans la gaieté nécessaire aux personnes que l'on veut peindre. Oh là ! Que veut cet homme-là et qui laisse monter les gens sans nous en venir avertir ? Entre ici librement ! Mais entre cavaliers, telle liberté est permise. Seigneur ! Suis-je connu de vous? Non, non, seigneur.
Je suis Don Jerez de Valas et l'histoire d'Espagne vous doit avoir instruit de mon mérite. Souhaitez-vous quelque chose de moi? Oui, un conseil sur un fait d'honneur. Je sais qu'en ces matières, il est malaisé de trouver un caballeros plus consommé que vous. Mais je vous demande pour grâce que nous nous tirions un peu à l'écart. Nous voilà assez loin. Elle a les yeux bleus. Seigneur, j'ai reçu une soufflette. Vous savez ce qu'est une soufflette? Oui. Lorsqu'il se donne à main ouverte sur le beau milieu de la joue. La joue. La joue, ya. La joue, la joue. Il y a cette soufflette fort sur le cœur. Oui. Et je suis dans l'incertitude si pour me venger de l'affront, je dois me battre avec mon homme ou bien le faire assassiner. Assassiner, assassiner, c'est le plus court chemin. Quel est votre ennemi? Parlons pas. S'il vous plaît. Oui, charmant Isidore. Mes regards vous le disent depuis plus de 2 mois. Et vous les avez entendus. Je vous aime, plus que tout ce que l'on peut aimer. Et je n'ai point d'autre pensée, d'autre but, d'autre passion que d'être à vous toute ma vie. Je ne sais pas si vous dites vrai, mais vous persuadez. Mais vous persuadez-je jusqu'à vous inspirer quelque peu de bonté pour moi? Je crains que d'en trop avoir. Oh, en auriez-vous assez pour consentir, belle Isidore, au dessein que je vous ai dit? Je ne puis encore vous le dire. Mais qu'attendez-vous pour cela? À me résoudre. Quand on aime, on se résout bientôt. Eh bien, allez, oui, j'y consens. Mais consentez-vous, dites-moi, que ce soit dès ce moment même. Lorsqu'on est une fois résolu sur la chose, s'arrête-t-on sur le temps? Voilà mon sentiment, et je vous baise les mains. Seigneur, quand vous aurez reçu quelques soufflettes, je suis homme de conseil aussi. Je pourrais vous rendre l'appareil. Je vous laisse aller sans vous reconduire, mais entre cavaliers, cette liberté est permise. Allez. Il n'est rien qui puisse effacer de mon cœur les tendres témoignages. Je regardais ce petit trou qu'elle a au côté du menton, et je croyais d'abord que ce fut une tâche. Mais c'est assez pour aujourd'hui. Nous finirons une autre fois. Non, ne regardez rien encore. Faites serrer cela, je vous prie. Et vous, je vous conjure de ne vous relâcher point et de garder un esprit gai pour le dessein que j'ai d'achever notre ouvrage. Je conserverai pour cela toute la gaieté qu'il faut. Qu'en dites-vous? Ce gentilhomme me paraît le plus civil du monde et l'on doit demeurer d'accord que les Français ont quelque chose en eux de poli, de galant que n'ont point les autres nations. Oui, oui, mais ils ont cela de mauvais qu'ils s'émancipent un peu trop et s'attachent en étourdi à compter des fleurettes à tout ce qu'ils rencontrent. C'est qu'ils savent qu'on plaît aux dames par ces choses. Oui, mais s'ils plaisent aux dames, ils déplaisent fort aux messieurs. Et l'on n'est point bien aise de voir sur sa moustache cajoler hardiment sa femme ou sa maîtresse. Ce qu'ils en font n'est que par jeu. Seigneur cavalier, sauvez-moi, s'il vous plaît, des mains d'un mari furieux dont je suis poursuivi. Sa jalousie est incroyable et passe dans ses mouvements tout ce qu'on peut imaginer. Il va jusqu'à vouloir que je sois toujours voilée. Et pour m'avoir trouvé le visage un peu découvert, il a mis l'épée à la main et m'a réduite à me jeter chez vous pour vous demander votre appui contre son injustice. Mais je ne vois pas être de grâce, Seigneur Cavalier, sauvez-moi des amoureux. Oui. Entrez là-dedans avec elle et n'appréhendez rien. Où est-elle? Où est ma femme? À quoi? Seigneur, c'est vous? Tant de jalousie pour un Français. Je pensais qu'il n'y eut que nous qui en fussions capables. Les Français excellent toujours dans toutes les choses qu'ils font. Et quand nous nous mêlons d'être jaloux, nous le sommes 20 fois plus qu'un Sicilien. L'infâme croit avoir trouvé chez vous un refuge assuré. Mais vous êtes trop raisonnable pour blâmer mon ressentiment. Laissez-moi, je vous prie, la traiter comme elle le mérite. Arrêtez, l'offense est trop petite pour un courroux si grand. La grandeur d'une telle offense n'est pas dans l'importance des choses que l'on fait. Elle est à transgresser les ordres qu'on nous donne. Et sur de pareilles manières, ce qui est une bagatelle devient fort criminel lorsqu'il est défendu. De la façon qu'elle a parlé, tout ce qu'elle en a fait a été sans dessein. Et
Je vous prie enfin de vous remettre bien ensemble. Et quoi, vous prenez son parti, vous qui êtes si délicat sur ces sortes de choses? Oui, je prends son parti. Et si vous voulez m'obliger, vous oublierez votre colère et vous vous réconcilierez tous les deux. C'est une grâce que je vous demande. Et je la recevrai comme un essai de l'amitié que je veux qu'il soit entre nous. Il ne m'est pas permis à ces conditions de vous rien refuser. Je ferai ce que vous voudrez. Ah. Hola ! Sortez ! Vous n'avez qu'à me suivre et j'ai fait votre paix. Vous ne pouviez jamais mieux tomber que chez moi. Je vous suis obligée plus qu'on ne saurait croire. Mais je m'en vais mettre un voile. Je ne garde sans cela déparaître à ses yeux. Ah. La voici qui s'en va venir. Et son âme, je vous assure, a paru toute réjouie lorsque je lui ai dit que j'avais raccommodé tout. Puisque vous m'avez bien voulu donner votre ressentiment, trouvez bon qu'en ce lieu, je vous fasse toucher dans la main l'un de l'autre. Et que tous deux, je vous conjure de vivre pour l'amour de moi dans une parfaite union. Oui, je vous promets que pour l'amour de vous, je m'en vais avec elle vivre le mieux du monde. Ah, vous m'obligez sensiblement. Et j'en garderai la mémoire. Je vous donne ma parole, Seigneur Dom Pedre, qu'à votre considération, je m'en vais la traiter du mieux qu'il me sera possible. Non, c'est trop de grâce que vous me faites. Adieu. Il est bon de pacifier et d'adoucir toujours les choses. Voilà. Isidore. Venez. Comment? Que veut dire cela? Ce que cela veut dire? Qu'un jaloux est un monstre haï de tout le monde et qu'il n'y a personne qui ne soit ravi de lui nuire ni eût-il point d'autre intérêt. Que toutes les serrures et les verrous du monde ne retiennent point les personnes et que c'est le cœur qu'il faut arrêter par la douceur et par la complaisance, qu'Isidore est entre les mains du cavalier qu'elle aime et que vous êtes pris pour dupe. Ton Pedre souffrira cette injure mortelle. Oh non. Ah non, j'ai trop de cœur. Et je vais demander l'appui de la justice pour pousser le perfide à bout. Ah, c'est ici, le logis d'un sénateur. Hola ! Hola ! Serviteur. Ah. Seigneur Dom Pedre. Que vous venez à propos? Je viens me plaindre à vous d'un affront qu'on m'a fait. J'ai fait une mascarade, la plus belle du monde. Un traître de français m'a joué une pièce. Vous n'avez, dans votre vie, jamais rien vu de si beau? Il m'a enlevé une fille que j'avais affranchie. Jean, vêtu en maure, qui danse admirablement. Là, vous voyez si c'est une injustice qui se doit souffrir. Des habits merveilleux et qui sont faits exprès. Je vous demande l'appui de la justice contre cette action. Je veux que vous voyez cela. On va la répéter pour en donner un divertissement au peuple. Comment, de quoi parlez-vous là? Je parle de ma mascarade. Je vous parle de mon affaire. Je ne veux point aujourd'hui d'autres affaires que de plaisir.